mais un faux pas est très vite arrivé. 4 novembre 2019, Bruno Bidjan est viré de Vision 4. J'étais allé en Tunisie. Est-ce que tu as informé ton supérieur hiérarchique direct, c'est-à-dire le directeur de la télé? Non. Et donc, pourquoi tu ne refasses plus cette erreur-là? 2 semaines après son licenciement, il revient plus fort que jamais. J'ai écrit à mon patron, je lui ai présenté toutes mes excuses. Et puis le soir, il y a eu les nominations. Je suis parti de rédacteur en chef numéro 2 à rédacteur en chef numéro 1. Le boss a acheté 2 véhicules. Je me demandais comment je fais, est-ce qu'un jour je pourrais rouler dans une voiture comme ça, neuve. Et les véhicules sont restés garés là jusqu'à la fin de la semaine. Et puis vers la fin de la semaine, c'était vendredi, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, est-ce que tu as vu ta voiture? Est-ce que tu as choisi ta voiture? Je dis, boss, quelle voiture? Parce que quand j'étais licencié, j'avais une Duster. J'avais une Duster qu'on a donnée à quelqu'un. C'est Debo. On a donné à Ali Debo qui m'avait remplacé à ce poste. Et puis, quand je reviens, il me dit, est-ce que tu as choisi ta voiture? Il dit, non, patron, je n'ai pas choisi ma voiture. Il dit, parmi les 2 voitures, là, il y a ta voiture. Choisis donc ta voiture, on va te remettre des clés. Je vous assure que ce jour, c'était que du bonheur.